Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Et nous voilà à nouveau réunis pour un Café Spirituel un peu spécial, puisque nous avons deux invités prestigieux, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Il ne vous aura pas échappé que le moine bouddhiste et le philosophe suisse, qu'on ne présente plus, étaient à Périgueux le 26 octobre dernier, plus précisément au Palio de Boulazac, pour une conférence sur la liberté intérieure, offerte à l'association La Maison 24. Et nous avons voulu, chers auditeurs, revivre cet événement avec vous en réécoutant ensemble les temps forts de cette rencontre. Alors évidemment, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien auraient adoré être dans les studios de RLP cet après-midi avec nous, avec vous, mais leurs agendas ne le permettant pas, Jean-Charles et Dominique, fidèles au micro, sont là pour ravir vos oreilles. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous étiez à la conférence ? Alors moi, j'y étais, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, j'avais déjà assisté à une conférence de Mathieu Ricard il y a 2 ans. C'était au Nouveau Théâtre de Périgueux. Et je ne connaissais pas Alexandre Jolien, hormis pour l'avoir lu dans « Trois amis en quête de sagesse ». Et j'étais plus... Il y avait plus de résonance sur les propos de Mathieu Ricard ou de Christophe André. Et j'avais un petit peu de mal avec Alexandre Jolien, qui parlait beaucoup d'ascèse, qui était un terme que j'appréhendais mal, que je ne comprenais pas. Et vraiment, j'ai été séduit, charmé, enchanté par le personnage qu'il est. Ses propos m'ont touché, je l'ai trouvé véritable. Oui, c'est ça, tout à fait. Dominique, tu n'étais pas là. Non, mais j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter quand même. Ouais. Tu as une impression globale déjà, nous, avant qu'on commence à l'écouter. Oui, alors c'est vrai qu'on a le sentiment que Jolien est vraiment quelqu'un de véritable, naturel. Pour un philosophe, c'est pas mal. Bien que j'en connais au moins un ou deux qui pourraient sembler aussi naturels. Mais ouais, très sympa. Mathieu Ricard, bon, moi, je suis moins preneur parce que je trouve que ça commence à faire un peu vieille école. Alors, c'est bien, ça parle à plein de gens. Ça peut être très instructif, édifiant et aider beaucoup. Mais en ce qui nous concerne, je trouve que ça fait un peu porte ouverte souvent. D'accord. En ce qui te concerne, puisque peut-être que tu as passé des étapes et qu'aujourd'hui, tu attends davantage. Pas sûr, mais peut-être. Je vous propose d'écouter tout de suite un premier passage où Mathieu nous propose un petit exercice. Lorsque nous avons dialogué, tout d'abord dans les forêts de Dordogne et puis en Suisse avec Alexandre et notre ami Christophe André, donc il manque un dans le trio infernal, tous les matins, nous commencions par essayer d'engendrer, de vérifier notre motivation. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi faisons-nous ce dialogue? Pourquoi le mettre par écrit? Pourquoi être ici devant vous ce soir? Des journalistes avant nous demandaient, mais en fait, pourquoi faites-vous cela? Et donc, effectivement, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on fait ça simplement pour se faire mousser? Pour polir notre narcissisme inné? Ou est-ce que vraiment, notre seule intention... c'est effectivement, si ça peut être utile, ne serait-ce qu'à une personne, ça vaut la peine de faire des efforts, de mettre nos idées au clair et de les partager. De la même façon, je pense que si vous êtes venu, c'est aussi pour faire quelques pas sur ce chemin de liberté intérieure, de devenir un meilleur être humain pour mieux se mettre au service des autres. Donc je vous invite pendant quelques secondes de faire ce que nous faisions tous les matins, à savoir d'engendrer une motivation bienveillante, altruiste, de se dire, voilà, je vais participer à cette rencontre
écouter, pour nous autres parler, avec l'idée que puisse cela être utile à tous ceux qui nous entourent. Donc, essayons d'engendrer ça en notre esprit, que ça participe à notre chemin de transformation. Donc, quelques instants. Voilà. Vous l'avez fait, le petit exercice, tu l'as fait, Jean-Charles? On peut se demander ce que nous faisons, nous, pourquoi nous faisons ça, pourquoi nous avons initié ces cafés spirituels, probablement pas pour enseigner, parce que nous ne sommes pas des enseignants. Pour ma part, je trouve que c'est mettre en partage, c'est aussi échanger sur des expériences que nous avons vécues, et ça peut être aussi confronter un propos sur... l'approbation, ou le voir comment ça résonne auprès d'autres personnes quand on a soi-même suivi un enseignement, et voir comment c'est perçu et comment ça résonne chez l'autre. Mm-hmm. Oui, alors certainement quand Mathieu parle d'un désir de vouloir s'améliorer, c'est sûr qu'on ne fait pas ça pour être pire. Et il y a cette notion de partage qui est évidente. Moi, je vois ça un peu, c'est les petites graines. C'est les petites graines qu'on a semées, qu'on a récoltées nous-mêmes, qu'on peut semer, peu importe après ce qu'il en advient. Hein. Ça tombe sur le chemin, ça pousse pas. Ça tombe en terre fertile, ça pousse. Et puis des fois, la terre est pas fertile au moment où tu sèmes la graine. Et puis quelques mois, quelques années plus tard, ou simplement la bonne saison, ça pousse. Donc je pense que c'est un peu ce qu'on est tous en train de faire. Mais pas seulement nous ici, derrière le micro, mais dans la rue, à chaque instant, tout le monde partage sa vie. Tout le monde partage sa vie et partage ce qu'il a résolu ou ce à quoi il est confronté. Et c'est aussi un moyen justement de se mesurer, de trouver un équilibre. Et trouver un équilibre, c'est la cure. C'est la cure à nos maux aussi. J'ai une amie qui parle de points d'acupuncture. Que nous sommes des points d'acupuncture. Ouais. Moi, je voulais juste dire une chose par rapport à ce petit exercice. C'est quelque chose que je fais très souvent avant d'entrer dans une réunion, par exemple. J'ai beaucoup de réunions et à chaque fois, avant de passer le pas de la porte, je demande. Je fais le souhait que cette rencontre, ce moment, soit utile et utile au plus grand nombre et non pas un moment de plus de confusion et. Voilà, donc c'est vraiment un exercice que j'ai apprécié, j'ai aimé qu'il nous plonge là-dedans. C'est une manière de vérifier quand même, de vérifier ses attentes, de vérifier son attitude, sa posture, parce que c'est vrai qu'on peut arriver avec beaucoup, beaucoup de projections, beaucoup d'attentes, beaucoup d'ego aussi. On a envie d'en ressortir grandi, enrichi, flatté, etc. Et puis voilà, cette petite pause-là, juste avant de passer la porte, pour qu'au contraire, ça soit utile à beaucoup plus que nous, je trouve que c'est un petit exercice très sympa. Voilà, on continue. Il est clair que nous ne pouvons pas négliger la façon dont nous faisons l'expérience du monde, la façon dont nous traduisons les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être, et que bien souvent, nous ne sommes pas du tout aussi libres qu'on pourrait l'imaginer, à savoir que nous suivons nos automatismes mentaux, nos réactions, notre pulsions, nous sommes le jouet de tous ces enchaînements mentaux. Et les gens qui vous disent « pour moi la liberté c'est de faire tout ce qui me passe par la tête », c'est un bel exemple d'être totalement l'esclave de ses pensées. Donc il est clair qu'il y a des déterminants, des caractéristiques de cette liberté intérieure, que ça a un impact profond sur ce que nous sommes, sur la façon dont nous relions aux autres, notre façon dont nous sommes dans la société et aussi notre manière de nous épanouir dans l'existence. Donc c'est ce thème qui nous a été très cher et que nous avons voulu explorer dans ce dialogue qui a mené au livre, même titre que la conférence. Donc je voulais simplement souligner l'importance de cette liberté intérieure. Ce n'est pas simplement un luxe, un superflu, un détail. Là, j'ai le sentiment que Mathieu Ricard nous parle du bruit du mental, de l'agitation, du flux des pensées permanents qui nous accaparent, qui nous occupent et qui nous empêchent d'être et qui nous plongent plutôt dans le faire, dans le fait d'être appelé à faire quelque chose
Et ce bruit dont nous parle Ecartolé aussi dans son enseignement, qui nous alerte en fait sur cette agitation permanente. Mmh. Tu es d'accord avec ça, Dominique ? Oui, oui, bien sûr. Tu as évoqué autre chose ? Non, mais peut-être qu'il va le dire plus tard dans un des extraits, mais ça, j'avais noté se désencombrer de soi-même. Mmh. Ça, c'est effectivement, c'est Alexandre qui en parle un peu plus loin. On continue. Et peut-être la première question qu'on peut poser ce soir, c'est de quoi avons-nous besoin de nous libérer? Épictète, qui était un philosophe grec, quand on lui demandait qui es-tu, il disait je suis un esclave en voie de libération. Et je trouve magnifique d'ailleurs, toute la philosophie grecque se présente comme des exercices très concrets, une ascèse pour se libérer de tout ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes au fond du fond. Alors, il revient sur cette ascèse. Hein. Oui, ce que nous sommes au fond du fond. On y revient plus tard, mais là, effectivement, il parle des schémas, des représentations, des conditionnements, des croyances limitantes qui nous éloignent de ce que nous sommes vraiment. Et c'est vrai que on est dans une société où le conditionnement est si fort, où l'empressement est partout, et on a guère le temps de nous rapprocher de nous-mêmes. Ça nous rend esclaves. Dominique, tu te sens esclave ? Ah oui, moi je me sens, je m'introduis comme esclave parmi les esclaves. Je pense que nous le sommes tous, et nous sommes bien peu à savoir à quel point. Voilà, bien d'accord avec toi. On continue. C'est Pascal qui disait qu'on vit toujours le bonheur comme une privation. Quand je serai marié, je serai heureux. Ça dure en général 6 mois. Après, on se dit, quand j'aurai des enfants, je serai heureux. C'est-à-dire quand on doit se lever à 3h du matin pour... Et puis il y a la peur. Hein. Moi, quand ma première fille est née, j'avais tellement peur je ne devrais pas dire, mais j'avais tellement peur qu'elle meure que des fois la nuit je me levais et elle ne bougeait pas. Et j'essayais de souffler dessus et puis elle était déjà en méditation. Aucun mouvement. Et je me suis surpris un jour à lui mordre l'orteil pour voir s'il y avait une réaction. Et là, je me suis dit, putain, t'es mal barré. C'est vrai qu'il est drôle quand même. Hein. J'ai beaucoup ri sur ses interventions. Mm-hmm. Oui, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une démarche intellectuelle, quoi. C'est vraiment du vécu. Oui, il partage. Voilà, il partage avec les autres ce qu'il a pu traverser comme épreuve, avec ses peurs qu'on retrouvera peut-être un petit peu plus loin. Il a des peurs incroyables. Hein. Ah oui. Il a beaucoup de peurs, en fait. Oui. Et là, ça nous ramène à une émission que nous avions, un café spirituel que nous avions organisé sur joie, bonheur et plaisir, en fait, quand je serai heureux, c'est-à-dire que l'attente permanente de quelque chose qui fera que ben, le bonheur, on va le trouver à l'extérieur. Alors que la joie, en fait, nous étions convenus que la joie était quand même plutôt dedans. Et c'est probablement la différence entre désirer quelque chose et l'espérer. Et le désir laisse beaucoup plus de chance à sa réalisation que l'espoir avec plein de paramètres qui sont très aléatoires. On continue ? Et pour moi, la grande question de la liberté, elle est corollée à la joie. Comment être dans la joie dans un monde où on peut perdre un enfant ? Dans un monde où le regard de l'autre peut peser, dans un monde où il y a des désirs, des pulsions, une tyrannie intérieure, et la liberté intérieure, pour moi, c'est
d'abord se demander, c'est très beau ce que tu as dit, Mathieu, la liberté intérieure, elle n'est pas étanche, elle n'est pas étrangère à la liberté de l'autre. Et d'ailleurs, c'est magnifique ce que fait la Maison 24, c'est l'engagement. C'est avec les autres qu'on se libère de soi. Et donc, un premier point pour la liberté intérieure, c'est comment, dans ce décor, dans un monde qui est injuste, qui est inégal, comment trouver la joie et une voie qui est orientée vers les autres. Oui. Là, on est vraiment dans une notion de partage et peut-être dans un constat que être heureux tout seul, c'est pas terrible. Enfin, si, c'est pas mal, mais que c'est plus quelque chose qui peut se partager. Enfin, que ça prend encore davantage, ça se renforce et ça prend davantage plus de goût, d'ampleur. et ça se renforce à chaque fois que cette joie, elle est partagée. Elle s'alimente avec celle des autres. Et on est dans cette notion d'altruisme, réellement. Et ben oui, c'est probablement une des conditions qui permet d'accéder à cet état de joie, c'est d'être dans l'altruisme. Ouais, bon, il le dit plus loin, c'est pas de lui d'ailleurs. On est le fruit d'un nous plus que d'un je. Et on peut pas être ce qu'on est sans les autres. Forcément, c'est aussi eux qui nous construisent. Là, dans son, tu parlais de son enfant de tout à l'heure, pour lequel il avait peur de la mort, c'est vrai qu'apparemment il a plein de peurs, on va sans doute l'entendre plus loin, mais moi ce que j'entends là-dedans, c'est le besoin, la nécessité de confiance, hein, ce qu'on peut appeler de la foi aussi, mais parce qu'il y a des fois, c'est pas, de toute façon c'est pas le monde extérieur qui va t'apporter, c'est même pas forcément le partage, il faut que ça existe en toi, c'est comme le matin quand tu sors avec le sourire, tu vas rencontrer des gens qui auront le sourire. Si tu sors en faisant la gueule, il y a plus de chances que tu rencontres des gens qui font la gueule. C'est ce côté créateur-là, mais qu'il faut que tu ailles chercher chez toi. Et c'est ça que tu amènes au monde. C'est ça que tu amènes au monde et c'est ce que le monde te renvoie. C'est l'auberge espagnole, quoi. La vie, c'est l'auberge espagnole, simplement. Je crois qu'un des premiers pas, c'est se désencombrer de soi-même. Mais on a souvent l'idée que se désencombrer de soi-même, c'est de l'ordre du renoncement. On doit faire des efforts. On doit se serrer la ceinture. Alors que, précisément, se désencombrer de soi, c'est se libérer des préjugés qui nous enferment, qui nous réduit. Alors qu'au fond du fond, on est une liberté inconditionnelle. Ouais, se désencombrer de soi, moi je l'entends comme ça aussi. J'aime bien parler de désidentification, un terme que Jean-Charles adore. mais c'est ça. En fait, c'est pas lutter contre soi ou c'est pas rébarbatif comme le terme ascèse pourrait le faire entendre. C'est simplement s'admettre tel qu'on est, avec ses défauts, avec ses conditionnements et tout ça, voir que c'est pas nickel, mais qu'on est en train de le soigner, s'admettre comme ça. Ce que j'entends là aussi, c'est aussi, et ça, bon, pour moi c'est un exercice qui reste encore difficile, c'est sortir du jugement, mais du jugement qu'on aura par rapport à soi, du jugement qu'on aura par rapport aux autres, c'est toujours se sortir de ça en fait, être plus dans son cœur et prendre les gens et même soi-même tel qu'on est sans porter de jugement en particulier. Ça c'est dur. Allez, encore un morceau avant. Dom, il voulait dire un truc aussi. Vas-y. Ouais, je sais pas. Ouais, par rapport au jugement, c'est quand même vachement intéressant. Mais par exemple, moi, j'ai toujours été perfectionniste. Et en fait, j'étais toujours en train de juger chacune de mes actions. Hein, si c'est pas parfait, à la limite, je m'en veux. Donc, je suis dans le jugement. Ouais, tu les c'est le jour où, justement, je me suis désidentifié de ce schéma-là.
Hein, non, je ne suis pas perfectionniste, et puis j'en ai marre d'être perfectionniste. Mmh. J'ai envie d'être autre chose. Ça aussi, ça, c'est le choix, hein, c'est libre arbitre. Hein. Mmh. J'ai envie d'être autre chose. C'est ce qui nous évite de lutter contre ce qu'on a été ou ce qu'on est encore. Hein. Juste, on se dirige vers autre chose et on fait autre chose. Mais par rapport au jugement, je crois, ouais, quand tu arrêtes de te juger, moi, quand j'ai commencé à me calmer un peu sur mon, comment on disait, mon perfectionnisme, je me suis aperçu que j'étais vachement plus supportable aux autres aussi. Ouais, parce qu'en fait, de soi-même, j'imposais une pression aux autres. On t'aime comme tu es, Dominique. Oui, tu t'es désencombré de toi. On va faire une première pause musicale avec Annie Scholling-Drolma, qui chante le mantra de grande compassion. Comment on pourrait résumer en deux phrases la philosophie de Trungpa? Il m'a dit, premier truc, don't be afraid by yourself. N'ayez pas peur de vous-même. Et moi, ce qui me plombe du matin au soir, c'est le devoir de jouer un rôle, y compris dans la spiritualité. Il y a comme un malentendu qui plane qu'on devrait sourire, être sympa. Et si c'est forcé, c'est complètement épuisant. Et donc, n'ayez pas peur de ce que vous êtes. C'est aussi faire l'expérience. Quand je me retrouve seul dans ma chambre, c'est quoi qui monte du cœur? C'est la peur, c'est l'avidité, la colère. Quand tu parlais tout à l'heure, on est en permanence confronté à notre propre esprit.
qui peut être un tyran total. Et la solidarité, c'est permettre l'autre, à l'autre d'être ce qu'il est. Ouais. Là, ça sonne d'une justesse dans la bouche d'Alexandre Jolien, parce que il est l'exemple de quelqu'un qui est lui-même, en fait, qui reconnaît ses peurs, qui accueille toutes ces parts de lui. Et je trouve qu'il ne joue pas du tout un rôle. Quand il dit qu'on peut jouer un rôle dans la spiritualité, là, on a ce qu'on disait en préambule de l'émission, vraiment quelqu'un qui est dans la vérité, dans l'authenticité, et qui n'a rien à jouer, en fait, parce que par son physique, par il ne va pas tenter de charmer, ou alors par l'humour, peut-être, il a quelques points d'accroche comme ça, en fait, qui lui permettent d'être un peu séduisant, mais il n'est pas dans la séduction. Mm-hmm. Je trouve que... Il n'est pas touché par l'ego spirituel, on dirait. Hein? Oui. C'est ça. Au début que j'étais papa, j'ai dit à ma femme, un parent ne devrait jamais hausser la voix. Ma femme est partie en stage 2 jours. Putain, j'avais les cordes de bocal qui allaient péter. Mais Pour organiser que tout marche, les repas, les horaires, il y a toujours un truc. D'ailleurs, c'est la première noble vérité, tout est souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on est torturé du matin au soir, mais ça veut dire que quoi qu'on fasse, il y a quelque chose qui va foirer. Ça, mais c'est soulageant de se voir ça. C'est tellement soulageant de voir, finalement, c'est incontrôlable. Et quelqu'un me disait, que plus on veut contrôler, finalement, l'éveil, c'est ne plus vouloir manipuler, contrôler les choses. Difficile. Pas vouloir contrôler son enfant. Pas vouloir contrôler sa femme. Ça, c'est un sacré boulot. Ouais. C'est du plein temps. Là, moi, je fais un rapprochement avec les enseignements toujours d'Écartelé sur le lâcher-prise. Cette faculté qu'on peut acquérir sur des situations de lâcher, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais c'est ne pas résister à certaines situations, parce que a priori, plus on va résister à une situation, plus on va la renforcer, plus on va lutter sur quelque chose, en fait, plus on va lui donner de la puissance. Et là, moi, ça évoque vraiment le lâcher-prise dont nous parle Écartelé. La libération de soi, c'est presque un gros gag. Et c'est ça qui est magnifique. Une fois, je courais après mon fils et on jouait au cache-cache. Et il m'a dit, papa, rigole pas, on joue. Et pour moi, c'était vraiment un enseignement spirituel. C'est sérieux et c'est de la rigolade en même temps. C'est de la rigolade, mais c'est sérieux. Alors ça, j'adore. Ben oui, c'est ça. En plus, j'allais parler de ça, donc c'était bien qu'il passe cet extrait d'abord. C'est sérieux, c'est de la rigolade. Et je crois qu'il y a comme ça qu'on fait les... Déjà, quand on arrête de se prendre au sérieux, c'est un jeu, en fait. Il faut vraiment considérer ça comme un jeu et c'est comme ça qu'on le fait le mieux. C'est un peu l'histoire de son gosse, quoi, qui dit « Non, mais c'est sérieux dans le sens où tu peux le faire sérieusement, mais tout en sachant que c'est un jeu. » Donc, il y a deux curseurs dans la journée qui m'aident vraiment à traverser les hauts et les bas de la vie. C'est deux concepts, deux,
intuition du bouddhiste, c'est la shunyata, c'est-à-dire tout est vacuité. Il n'y a rien de solide. La moquerie, le regard moqueur d'une personne, il n'y a rien de solide. C'est moi qui solidifie en disant « c'est catastrophique, on s'est moqué de moi, c'est catastrophique, j'ai loupé le train ». Oui, là on peut peut-être rebondir sur ce qu'on appelle, je crois en constellation familiale, on dit que ça... Certains événements ont cristallisé, en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'ils ont, à un moment, ils ont créé, dans le ils ont densifié. Voilà, ils sont densifiés dans le corps émotionnel, dans le, et ces émotions sont restées là, bloquées, et ça peut, à long terme même, enclencher des maux, des pathologies, parce que, à un certain endroit, on aura cristallisé un événement qui... qu'on n'aura pas évacué. Et là, il n'y a rien de solide. Ouais, moi, j'aime bien cette notion. Là. Ouais. On continue. Cette fois, c'est Mathieu Ricard qui parle. Une expression donc, qu'Alex utilise souvent, le fond du fond. Effectivement, si on veut se rendre un peu mieux compte, si oui ou non, disons, évaluer un tout petit peu à quel point nous sommes ou nous manquons de liberté. De regarder au fond du fond de soi-même, dans un moment de tranquillité, quand on n'est pas trop préoccupé par des sollicitations extérieures, des distractions en tout genre, finalement, qu'est-ce qu'on trouve au fond du fond ? Je me souviens d'une personne, justement, en Suisse, qui me disait, moi, quand je regarde au fond de moi-même, je trouve de la tristesse. Que dire ? Ce n'est pas une tristesse, il y a une cause précise. C'est une manière d'être qui est présente, comme ça, au fond de notre esprit, quand il n'est pas encombré par trop de fabrication mentale. Mais est-ce que c'est vraiment le fond du fond ? Est-ce qu'on ne peut pas aller encore un peu plus loin ? Certains, quand vous leur demandez, disent qu'ils trouvent une sorte de paix, de joie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus fondamental que cela ? Parce que finalement, et c'est ça un peu qui est au cœur du processus de libération, de liberté intérieure, c'est que finalement, il y a quelque chose qui est encore plus fondamental, qui est encore plus profond, du fond du fond. C'est cette simple faculté que nous avons d'être conscients de tout ça. La faculté de connaître. Cet aspect qu'on pourrait appeler lumineux de l'esprit. Quand on dit ça, bien sûr, ce n'est pas que ça brille dans le noir ou quelque chose de genre, qu'on voit des lumières partout. C'est la différence entre un objet qui est opaque du point de vue des facultés cognitives. Ce verre ne sait rien. Il ne vit rien. Il n'a aucune expérience de quoi que ce soit. Il n'est ni sujet ni objet. Nous avons cette faculté lumineuse de se connaître. Nous pouvons connaître des choses extérieures, nous pouvons connaître ce qui se passe en nous, tout ce qui se déploie dans le paysage de notre mental. Cette faculté lumineuse de connaissance nous permet simplement de faire l'expérience des choses, l'expérience du monde. Et si on y songe, pour que ça puisse fonctionner finalement, il faut que cette faculté première, et c'est là qui est vraiment au cœur du processus de la liberté intérieure, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit non conditionnée par ce qu'elle connaît. Parce que si effectivement il y avait un élément de tristesse qui est intrinsèque à la première faculté de connaître qui puisse se manifester en notre esprit, à ce moment-là, tout prendrait la couleur de la tristesse. Ouais. Et là, on peut se poser la question de savoir si le chemin pour aller au fond du fond, il est long, si c'est loin, le fond du fond, et si ça nécessite de cheminer longtemps. Moi, j'avais partagé une expérience de contact
avec de reconnexion avec ce sentiment de joie, en fait, une émotion de joie, après m'être débarrassé de tout un tas d'agrégats qui étaient venus encombrer tout ce qui était au-dessus du fond, en fait, qui était venu s'entasser, s'empiler comme ça. Et on peut accéder par des expériences. Alors moi, c'était par une expérience de respiration holotropique, en fait, de respiration inspirée, où dans un état de conscience modifié, on peut accéder comme ça à une partie de soi qui est vraiment dans l'intériorité. Mais pour ça, soit on chemine longtemps, soit effectivement on passe par des étapes comme celle-ci qui consistent à enlever tout ce qu'il y a au-dessus, quoi, à se débarrasser de tous ces agrégats qui sont venus s'empiler, qui peuvent être de la tristesse, de la colère, toutes ces choses-là, pour contacter ce qu'on a au plus profond, fond du fond. Voilà. Mais alors pour atteindre ce fond du fond, qu'est-ce qu'il faut comme calme, comme retrait, comme recul, comme voilà. Quand on entend ça, on comprend mieux la nécessité de la cèse ou de l'ermitage ou. Hein, oui. Voilà. Mais ça peut être des processus longs, ou alors par certaines techniques de pouvoir accéder dans des accompagnements. De façon un peu plus rapide pour contacter, mais après pour être dans un état permanent, c'est vraiment peut-être des moments un peu éphémères comme ça où on arrive à contacter ça pour être en permanence en contact avec on revient vite à la surface quand même. Hein. Ouais, je suis pas sûr que dans notre monde en 3D, dans notre incarnation, ça soit nécessaire qu'on soit dans cet état tout le temps. Hein. Donc je pense que tout le monde, plus ou moins tout le monde, peut avoir des moments d'illumination. Et ça nous éclaire pour notre route, hein, mais je ne pense pas qu'il nous faille chercher ça, à moins qu'on ait une vocation, entre guillemets, religieuse ou ascétique. Mais pour vivre dans notre monde, je crois qu'il est plus important justement de vivre ça, de savoir que ça existe, le sentir et le garder vivant en soi, même si on ne peut pas, tout en s'adaptant au monde. Et ça nous permet de le partager. Si on reste sur cette... je veux dire, c'est comme si tu vas en Inde et puis que tu vas regarder le yogi faire ses trucs. C'est pas dit que ça va peut-être te donner une ouverture sur tes possibilités, mais c'est pas dit que ça te change d'état nécessairement. Alors que de vivre au jour le jour avec des gens qui ont une attitude différente, plus adaptée à un nouveau monde, etc., ça nous enrichit. Et puis ça nous montre de façon vachement plus banale, mais vachement plus efficace, comment se comporter pour améliorer le monde et s'améliorer soi-même. Oui, l'avoir contacté un temps, un moment, permet d'avoir cette vision. En fait, tu sais que ça existe. Tu sais que ça existe. Et tu ne peux plus l'oublier. Voilà. Ouais. Tu n'as pas besoin de croire, tu sais, quoi. Le fait qu'il y ait quelque chose qui permette tout ça, ça peut être le concept de shunyata ou de vacuité d'existence propre qu'a mentionné Alexandre, mais c'est cette possibilité du fait que rien n'est absolument intrinsèque à notre esprit. Si c'est le cas, eh bien on peut toujours essayer d'aller derrière le rideau des pensées, reconnaître le mieux que nous pouvons, et on peut s'y habituer, on peut se familiariser par le regard intérieur, la contemplation, la méditation, quel que soit le nom que l'on donne à cela, à cet espace qui est aussi un peu comme un ciel. Et je peux vous dire que quand on regarde dans des moments de tranquillité, quand moi j'ai la chance d'être sur le balcon de mon petit ermitage au Népal devant 200 km d'Himalaya, par un ciel lumineux, un silence absolument parfait, et qu'on essaie de mêler un peu son esprit à cette immensité, dans ces moments-là on se dit, mais comment pourrais-je être un jour complètement emporté, dominé par la haine, ça semble inconcevable. Et pourtant, une pensée survient, une deuxième, elle s'enchaîne, elle se multiplie, elle prolifère, elles envahissent notre esprit et soudainement, nous sommes sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de l'anxiété. Et donc, mieux comprendre tous ces processus, c'est vraiment un facteur essentiel, fondamental du processus de libération. Ah, c'est un vrai divertissement. Moi, je me prends souvent à... J'ai remplacé les soirées télé par des temps de méditation où je vais aller observer mes pensées.
Je les vois passer, en fait. Je me mets un peu en méditation et je me laisse attraper comme ça par une pensée. Je dis, oula, toi, je te vois venir. Je sais où tu vas m'amener. Et hop, je reviens. Mais des fois, en fait, elles m'emportent loin. Et je me laisse embarquer. Et après, je reviens à la conscience et je me dis, tiens, là, t'es parti pendant combien de temps à peu près? Pendant combien de temps elle t'a happé, cette idée? Combien de temps ton esprit, en fait, t'as amené quelque part pour revenir après. C'est très amusant. T'arrives à t'amuser en méditant, toi. Je t'envie, hein. Pour moi, c'est un peu difficile. Le maître qu'on connaît, il me disait, c'était un exemple, pour celles et ceux qui vont voir des films pour adultes sur Internet, on va dire comme ça. Il disait, au moment où on appuie play, ou avant, on est libre d'être conscient. Peu importe ce qu'on fait, finalement, là, mais être conscient. Au moment où on se met en colère, être conscient. Juste constater. C'est déjà un pas vers la libération. Oui, c'est exactement ça, juste constater. Et on entend bien, même s'il n'en parle pas, qu'il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste constater. Et ben, c'est se voir tel qu'on est. Moi, ça me ramène... enfin, moi, je trouve ça génial. Parce que, voilà, il n'y a pas autre chose à faire, en fait. C'est juste, quoi qu'on fasse, peu importe, faut qu'on s'aime. Hein, donc, c'est ne plus avoir peur de soi, ça veut dire s'aimer. Hein, ça ne veut rien dire d'autre. Hein. Et il faut qu'on s'aime, et qu'on s'aime tel qu'on est, avec nos défauts, nos travers et tout ça, parce que c'est ça qui va nous aider justement à nous transformer, à devenir ce qu'on a vraiment envie d'être. Et ça me fait penser à cette histoire de tendre, peut-être on l'a déjà fait, mais tendre l'autre joue, quoi. C'est exactement pareil. Cette allégorie qui parle de Jésus qui aurait tendu l'autre joue, en fait, c'est pas « vas-y, j'en ai rien à foutre, je peux en prendre une autre », c'est « est-ce que tu es capable ?» Là, sous le coup de la colère, tu m'as giflé, mais est-ce que, froidement, comme ça, en se regardant droit dans les yeux, tu es capable de le refaire? Tu vois? Et là, ça renvoie, et là, ça implique un changement aussi. Hein? Là, tu mets l'autre en face de lui-même, en face de sa colère, etc. Et la plupart du temps, c'est sûr que l'autre est désarmé. Il se désarme lui-même, en fait. Tu vois, c'est ça le sens de la conscience, tendre l'autre joue. C'est cette histoire de se mettre toujours en face de ce qui est vraiment. J'aime bien. Alors on continue maintenant avec la dépendance affective. Tu parlais de la dépendance tout à l'heure. Si on connaît la dépendance affective, moi j'ai traversé un épisode de dépendance à une personne et j'ai trouvé que c'était une occasion merveilleuse de se libérer. En ce moment, c'était peut-être la pire des souffrances, être aliéné à quelqu'un. Et après coup, je me dis, c'était une occasion magnifique de se libérer. Mais pour ça, il y a eu deux conditions. C'est justement la pratique. Se dire que tous les jours, on progresse. Et la deuxième condition, en tout cas pour moi, c'est d'être hyper bien entouré. Alors moi, je rajouterais une troisième condition. C'est être nourri d'amour un peu pour soi. Parce que si on va le chercher dehors, forcément que si on n'est pas rempli déjà de quelque chose qu'on aura nourri pour soi-même, comme le disait Grégory Mutombo sur la conférence que nous avions été voir, c'est l'autre, il est la cerise sur le gâteau. Il n'est pas le gâteau. Et quand on est dans cette dépendance affective, eh bien, en fait, l'autre, ça sera le gâteau. Alors que, bon, c'est juste ce qui vient ajouter. Mathieu, oui. Un petit peu plus tard dans la conférence, parlera de la compassion pour soi-même. On va y revenir tout à l'heure, justement. Mais c'est vrai que quand on est dans la dépendance, l'autre devient vite la crise sur le gâteau. Alors, on continue. Et puis, il y a une autre notion que notre ami Christophe, notamment, disait, qui est extrêmement sous-estimée à notre époque, on a même tendance à la déconsidérer, c'est celle de faire des efforts. Alors, moi, je me souviens une fois d'avoir été invité dans un
congrès en Inde où on me disait, voilà, la personne qui m'a interviewé me disait, est-ce que vous pourriez nous donner le secret du bonheur en 5 points pour y arriver en 3 semaines? Alors j'ai dit d'abord, il n'y a pas de secret, simplement. En plus, il n'y a pas 5 points et ce n'est pas facile. Il n'y a pas de secret parce qu'il y a des éléments qui sont évidents, des choses dont on doit se libérer et des qualités qu'on doit cultiver. Donc c'est tout un ensemble très, très riche et complexe parce que l'être humain est complexe, notre esprit est complexe. Et ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine plus que toute autre chose. Donc l'effort, eh bien, nous ne sommes pas nés en sachant lire et écrire, en sachant jouer aux échecs ou résoudre des équations différentielles. Nous ne sommes pas non plus nés avec, notre capacité optimale de bienveillance, de liberté intérieure, de force d'âme, de joie de vivre. Donc cette idée de tout sera facile, et quand on vous propose quelque chose justement, qui est, vous savez, ça c'est vraiment une méthode formidable, ça marche, il n'y a pas d'effort à faire. Et vous pouvez être sûr qu'il ne se passera rien. Ça sera une sorte de vernis qui ne résistera pas aux circonstances de la vie. Et mon maître Kensei Rinpoche disait, c'est très facile d'être un bon méditant quand on est assis au soleil avec le ventre plein. Mais c'est quand on est confronté aux circonstances de la vie que les choses changent. Donc l'effort, c'est effectivement cette notion d'ascèse. Peut-être que vous pouvez en dire quelques mots. Ce n'est pas du tout ascèse, ce n'est pas simplement se priver de glace à la fraise, c'est l'exercice. Le goût de l'effort, oui, ça c'était, on l'avait évoqué quand on avait fait ce café spirituel sur joie, bonheur et plaisir, ce qui permettait de pouvoir accéder à ces notions-là. Il y avait l'attention, la présence, la méditation, la conscience et l'ouverture du cœur, la bienveillance, la gratuité, la gratitude, et il y avait la persévérance dans l'effort. Et c'est vrai que on a plutôt rien sans rien, ou pas grand-chose avec peu. Et ce goût de l'effort, il y a cette envie aussi, parce que c'est forcément conditionné par un enthousiasme de cheminer, d'aller plus loin, et forcément ça passe par un effort qu'on va faire sur soi. Alors moi j'ai un peu mal avec, tu vois, je suis pas trop pro effort, hein. je veux pas inciter non plus au laxisme. Mais c'est, pour moi, ça résonne quand même un petit peu avec une sorte de volonté de prise de contrôle, tu vois. Moi, j'essaie de plus en plus naturellement d'accueillir juste ce qui vient. C'est-à-dire que je n'ai pas une ambition particulière ou un désir particulier pour ce soir, pour demain. J'accueille quand ça vient, comme ça vient. Et hors jugement, à savoir que je ne vais pas l'accueillir comme bien ou mal, je vais l'accueillir comme quelque chose de nécessaire à ma vie, à cet instant-là. Et donc, bon, il y a plus de volonté, donc il n'y a plus vraiment d'effort non plus. Après, moi, je crois que c'est juste, c'est à la place d'effort, je mets intelligence, et l'intelligence, on sait que c'est le pouvoir d'adaptation. C'est juste ça. Donc, s'adapter aux circonstances quelles qu'elles soient, aux événements quels qu'ils soient, même à ce que tu es à ce moment-là, qui que tu sois, se le prendre tel quel, et puis après on en fait ce qu'on en veut. J'ai envie de te poser une question. Oui. T'aura-t-il fallu faire des efforts pour en arriver là où tu en es? Mais non, justement, je crois que c'est à partir du moment où tu abandonnes vraiment les volontés, hein, donc les velléités depuis longtemps, quand tu laisses faire, c'est peut-être justement en enlevant les filtres. Tu vois, c'est pas... Faire des efforts, c'est un peu comme mettre une armure. Enfin, moi, je le sens comme ça. Hein. Bon, apparemment, je suis pas d'accord avec Mathieu. Mais moi, je le sens comme ça. C'est un peu comme se donner des armes, tu vois. Alors que moi, je vois plutôt, c'est au contraire, désarmons-nous. Désarmons-nous, ayons confiance en la vie. Et là, on l'intègre vraiment. Et on en fait vraiment partie. On coule avec le flot. Ouais. Donc, c'est qui t'empêche pas de te diriger. C'est faire un effort de désarmement. Oui. Moi, à la notion d'effort, je préfère celle d'entraînement. J'ai l'impression que c'est plutôt là que ça se situe. Un entraînement, c'est-à-dire quelque chose sur la durée et qui nous transforme en profondeur. Un effort, c'est vrai que ça peut être velléitaire. Et donc, voilà. Ça devient quelque chose de quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus vraiment un effort. Voilà, plus ça devient... Ouais, naturel. Voilà, exactement. On va faire une deuxième pause musicale avec un autre Mathieu. C'est Mathieu Saïkali qui chante « Mama, oh, I swear ».
Mama always swear I will try to make you proud. Mama, yes, I'm scared. What if I die inside a cloud? I know that the sun is here with me. Mama, oh, I swear I will try to make you proud. Mama, yes, I'm scared. What if I die inside a cloud? I know that the sun is here with me. I don't want to fray and be a voice without a sound. Yes, I am afraid when the darkness is too loud. But I know that the sun is here with me. Another weak, feeble-minded soul. No, no, I will never flee. Holy, I will feel when I am alone. No, no, I will have the mind. I will have the mind. I'll find me. I'll find Le temps nous manque pour passer autant d'extraits qu'on l'aurait souhaité, mais on va finir sur la question de la bienveillance inconditionnelle. J'aimerais juste dire un petit mot de cette notion de bienveillance inconditionnelle. Les gens vous disent, bon, c'est n'importe quoi, quoi. Comment est-ce que je pourrais avoir une bienveillance inconditionnelle alors que j'arrive même pas à m'entendre avec mon voisin, etc. En fait, il ne s'agit pas, évidemment, j'ai même connu un philosophe aux États-Unis qui est un spécialiste de la morale, qui disait, mais c'est complètement dingue cette histoire, c'est des rêves, c'est utopique, il faut d'abord s'occuper de ses proches avant de penser à tous les êtres qui vivent sous le ciel. Mais en fait, il ne s'agit pas, bien sûr, de façon réaliste de se dire, se réveiller le matin en disant, je vais changer le monde, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais m'occuper de tout le monde sur la planète, évidemment, vous n'irez pas très loin. Il y en a quelques-uns comme ça, on en voit. C'est beaucoup plus le fait de ne exclure personne de l'espace de notre cœur. À savoir, à partir du moment où on se dit simplement, on forme un vœu sincère, puissent tous les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur. Ça ne coûte pas très cher, ça consomme, ça n'émet pas de CO2, mais c'est de n'exclure personne. Faire ce vœu, ou faire aussi le vœu, puisse tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est déjà de la bienveillance inconditionnelle. Pourquoi ? Parce que nous n'excluons personne a priori. N'exclure personne, c'est accepter tout le monde tel qu'il est, et plutôt se poser la question, alors on ne peut pas tout excuser, mais on peut dire, mais quelle blessure il peut avoir pour se comporter comme ça. C'était bien de ça dont il parlait, non ? Oui, effectivement, il expliquait que, mais comment peut-on inclure quelle souffrance. Des tyrans et des monstres. Quelle souffrance il a dû traverser pour se comporter de cette manière-là ? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi méchant ? Oui, alors c'est là où je ne sais pas comment parler de bienveillance. Des fois, j'ai comme un sentiment de pardon. Je veux dire, c'est comme le flic qui va balancer une boulette dans l'œil de l'autre. Et bon, je sais d'où ça vient. Hein, c'est un manque de connexion. C'est un manque de connexion avec la sagesse, avec l'amour, avec la nature profonde. Là où je suis en désaccord avec Mathieu tout à l'heure, je pense que vraiment on est NAIT bienveillant. Jusqu'après, ça s'estompe parce qu'on a le poids de tout ce qui nous entoure, qui nous crée des filtres. Mais ouais, c'est quand même difficile parfois d'avoir des sentiments de bienveillance. Et en même temps, on sait que voilà, si tu fais obstacle, tu donnes de la force à l'autre. Donc si tu envoies de la haine, tu fais que nourrir le même schéma. C'est là où il faut qu'on apprenne et qu'on se sente concerné peut-être. Savoir que nous aussi, on est capable
du pire et du meilleur. Et puis peut-être commencer par éprouver de la compassion pour soi-même. C'est ce sur quoi Mathieu a terminé la conférence. On l'écoute. Pendant longtemps, je n'ai pas bien compris le concept occidental de compassion pour soi-même. En Orient, on parle beaucoup de compassion pour les autres. Et j'avais toujours le sentiment que l'idée de compassion pour soi-même, c'était une sorte de récupération un peu individualiste et narcissique de la compassion Karuna, dont parlait Alexandre, qui est prônée dans le bouddhisme. Ça va être encore récupéré, on va être très bon avec soi-même, et encore, et on n'a pas besoin de s'occuper des autres. Mais en fait, la fréquentation de deux grands psychologues et thérapeutes qui travaillent sur la compassion pour soi-même, Paul Gilbert et Christine Neff, qui ont beaucoup écrit sur ce sujet, m'ont montré que si on ne pouvait pas, au départ, souhaiter quelque part être heureux, même si on a l'impression qu'on n'est pas fait pour le bonheur, qu'il nous a été dénié, qu'on n'a aucune chance d'en sortir, qu'on est nul, que tout le monde nous méprise, qu'on est bon à rien, si on n'a pas une certaine bienveillance à l'égard de soi-même, on ne peut évidemment pas en plus avoir cette idée d'un fardeau absolument insurmontable que de se préoccuper des autres. Et donc dans le bouddhisme, ça correspond à l'idée qu'il faut d'abord identifier au fond du fond de soi-même, même si tout va mal, même si on n'a pas beaucoup d'espoir, que si c'était possible, si seulement c'était possible, on préférerait quand même être heureux que de souffrir, avoir du sens dans l'existence que ne pas en avoir. Ne serait-ce que d'identifier, reconnaître cela, c'est déjà le début de se dire, bon, si c'est ça, même si tout a l'air d'être fermé, qu'est-ce que je pourrais faire pour progresser? Donc commencer par identifier, ne serait-ce que cette aspiration, si c'était possible, ce ne serait pas si mal de s'en sortir. Et après cela, étape par étape, de construire avec l'aide des autres, avec l'aide de notre propre démarche. Et voilà, j'espère que ces extraits vous ont plu. Je voudrais ajouter que pour les personnes qui veulent écouter ou voir la conférence de Mathieu Ricard dans son intégralité, ils peuvent la retrouver sur le site de La Maison 24, www.lamaison24.fr, puisque voilà, c'est l'association au profit de laquelle cette conférence était donnée. Et voilà. Et plein de gratitude pour la Maison 24 qui fait de merveilleuses choses et qui nous a permis justement de rencontrer Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Vraiment des gens très chouettes, la Maison 24. Maintenant, nous allons passer au coup de cœur. Jean-Charles, tu avais un coup de cœur aujourd'hui. Oui, je voulais partager une expérience que j'ai faite il y a 15 jours en participant au festival féminin masculin au Buisson de Cadouin, en Dordogne, il y a une quinzaine de jours, organisé par l'association Les Femmes à la Source. Alors, c'est un label, les festivals masculins-féminins, les rencontres masculins-féminins sont un label aujourd'hui. Et ça, il y a des représentations qui se déroulent un petit peu partout en France. Ça vient du Québec. Et l'objet, c'est de contacter, pour les hommes, ça part masculine et en même temps, ça part féminine. Et inversement, pour les femmes, de contacter son principe masculin et son principe féminin. Parce que, contrairement à la théorie du genre, qui veut qu'on soit influencé par un environnement qui fait qu'on est ceci ou cela, on porte ces deux polarités du yin et du yang en nous. Et ça, c'est symbolisé par, dans la tradition tantrique, par Shiva et Shakti. Shiva qui est le symbole du principe masculin, qui est là présent dans sa conscience, méditant dans sa présence, qui est le contenant, et Shakti, qui est le principe féminin, et plus là dans sa sensualité, dans ses sens, dans son intuition, et elle est l'eau qui va comme ça bouger, et pour qu'elle puisse s'exprimer, pour que ce principe féminin s'exprime, il faut que Shiva justement soit dans ce contenant, dans sa présence et dans sa puissance. Et ces rencontres consistent en plusieurs ateliers qui vont se dérouler sur le week-end et qui vont permettre, quand on est... Alors, il y a des ateliers qui seront réservés sur les deux premiers jours aux hommes et d'autres qui seront réservés aux femmes. Moi, j'ai fait quelques ateliers où, par exemple, on va exprimer devant d'autres hommes notre fierté.
par un acte qu'on aura posé d'être un homme ou d'être un père ou d'être dans ce principe masculin. Et puis à un moment, on va exprimer quelles sont, face à des feuilles mortes, nos peurs, un caillou, c'est notre tristesse. Sur ces feuilles mortes, un caillou, nos peurs, un bâton, notre colère, et puis un drap sous lequel on passera les mains, nos hontes. Et ça, on va le partager avec d'autres hommes, où on aura aussi des cercles de parole, où on se retrouvera sous une tente, et chacun posera une problématique, et s'il y avait un bon génie qui pouvait venir solutionner cette problématique, l'acte il devrait poser. Et ces paroles d'hommes, comme ça, où on peut même se retrouver les bras dans les bras, comme ça, dans une vraie fraternité, nous permettent justement de contacter cette part du masculin et accueillir ensuite cette part aussi du féminin qui est plus attrait justement à l'intuition, à l'émotion, à une forme de sensualité aussi. On peut le contacter quand on est après sur des ateliers mixtes où on ira chevaucher le tigre, par exemple, sur des ateliers tantriques où là on sera vraiment sur des choses très, très énergétiques. Pour moi, c'est vraiment une grande ouverture de pouvoir accueillir ces parts de nous qui peuvent être en déséquilibre, où on pourrait être un peu trop yang, un peu trop yin, et pour une femme de la même manière, pour trouver une harmonie et être justement dans un bon équilibre du yin et du yang. C'est des rencontres du masculin et du féminin. Merci beaucoup Jean-Charles, merci à vous, à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Ciao ciao.